France, handwriting is taught in a formalised manner that might seem outmoded in British schools. Yet the philosophy behind this is based on maximising creativity. Le Graphisme provides young children with the tools for communication, freeing them up to think and act creatively, unrestricted by poor handwriting. Here in Lyon, the distinctive script taught in schools remains prominent in wider society. At the Jean de la Fontaine Primary School, handwriting is central to the curriculum, as headteacher Gilles Rousseau explains. Écrire, c'est se faire comprendre. Pour qui on écrit ? On écrit pour soi, mais généralement on écrit pour les autres. L'apprentissage de l'écriture est quelque chose qui commence véritablement au cours préparatoire. Mais avant cet apprentissage, il est très important de faire tous ces exercices de graphisme qui vont préparer à l'écriture. À la maternelle, on va travailler énormément la gestuelle. Le plus important est de vivre corporellement ce qu'on va après demander à être réalisé de manière minutieuse. So the graphism philosophy is present in preschool before children even pick up a pen. Creative activities such as dance teach children large fluid movements that echo different shapes of the written word. On reaching primary school, this fluidity is emphasized from the outset. L'apprentissage vraiment spécifique à l'école primaire et en particulier au CP, au cours préparatoire, c'est cet apprentissage de l'écriture attachée, de l'écriture liée. Today, teacher Claude Cavagnat is showing his 6 and 7-year-olds how to write the letter T. Nous allons apprendre à écrire cette lettre en attaché. J'ai ma ligne d'écriture. Pour faire le T, je vais monter jusqu'au deuxième étage. Je tiens appuyé, je ne soulève pas, et je fais une canne. Je finis, Lucie, en faisant la barre. Donc en mémorisant « je monte au deuxième, je fais la canne et je fais la lettre », ils ont un repère auditif de mémoire pour réaliser cette lettre. Donc c'est vrai que c'est important aussi de nommer ce qu'on fait. Je monte, je tiens appuyé pour redescendre et faire ma canne. Avant cette étape qui est de passer de l'écrit au support, je fais écrire aussi dans l'air, justement pour que le corps et la main mémorisent le geste à réaliser. Pour que les droitiers aient leur geste de la main droite, et je vais montrer aussi la main pour les gauchers. Having traced the letter in the air, the pupils then practice writing it on their whiteboards. Il faut s'assurer que chaque élève, si on a des exigences de sens de l'écriture, justement, fasse ses lettres dans le bon sens. Tiens bien ton crayon. Je monte la canne et la barre. Je monte la canne et la barre. Entraîne-toi. Are all the pupils ready for joined-up writing? Je pense que c'est peut-être un petit peu tôt pour tous les élèves, justement parce que certains n'ont pas encore intégré les gestes graphiques qui permettent de franchir ce pas. It's important that the pupils develop this ability, so Claude incorporates art into his lesson. The class is going to draw sheep, using the graphism method of producing shapes to help them in their letter formation. Alors l'herbe, on la fera aussi comme ça. Ça nous apprend à quoi faire quand on fait ce mouton. Ça nous apprend à faire des M quand on fait de l'herbe comme ça. On peut la faire comme on veut, par exemple en boucle. Il nous a pas expliqué ça. Si tu veux, tu la feras en boucle, mais ça serait mieux que tu respectes quand même les traits. Then it's the pupils' turn. This isn't just an exercise in drawing. It's about practicing the basic shapes that form letters, but in a creative way. They add some color to their work. Oh,
Handwriting is emphasized across all subject areas. The class have been learning to swim. Recording their lessons is a chance to practice sentence structure. Qui choisit? J'ai appris à nager comme un poisson. Alongside the printed words, a handwritten version is provided for comparison. Appris. Oui. Comme un poisson. J'ai appris à nager comme un poisson. C'est bon, tu peux recopier. Including examples of handwriting in this activity reminds the pupils of the style in which they're learning to write. Donc c'est vrai que l'écriture, ça reste une activité qui est transdisciplinaire, qui concerne tous les champs de étudiés à l'école. Good handwriting helps with the children's letter recognition when it comes to reading in the library. Ça c'est quoi comme test? Le et le N vont ensemble, ça fait en. C'est un mot compliqué, le testament. The style of handwriting taught across France is held in high esteem, and the method of teaching it has changed little since the pupils' grandparents learned to write. The aging members of the Lyon Croix-Rousse Boule Club were taught in a similar fashion when they were at school. L'institut, elle écrit au tableau et on refait l'écriture et puis on a des cahiers où il y a des traits et on fait l'écriture en fonction avec les traits. Vous faites O, le A, comme ça. Mettons le... Par contre, le B, c'est plus difficile. Tout le monde n'a pas la même écriture. C'est selon son tempérament aussi. Au début, à l'école, on nous apprend comme ça. Mais après, quand on nous lâche, on n'a pas la même écriture. Despite personal differences in style, handwriting in France is uniformly ornate compared with that taught in Britain. Jean-Louis Cohen, a professional calligrapher, explains the origins of this hand. Donc ça, c'est l'écriture qu'on enseigne dans les écoles aujourd'hui. À savoir que cette écriture, il y a maintenant, ça fait une cinquantaine d'années, était ce qu'on appelle l'écriture la ronde, qui était une écriture faite de plein et de délié. Il y avait une attention particulière à rechercher une certaine forme d'équilibre. The increasing use of computers in schools threatens to undermine the development of children's handwriting. Maintenant, de plus en plus avec l'ordinateur, tout devient de plus en plus conceptuel et où on n'a plus de prise et plus de contact avec directement le domaine du sensible. Donc la calligraphie est quelque part aussi un moyen de retrouver ce contact avec la matière. While calligraphy might not be used in school on a day-to-day basis, it's a craft that highlights how to produce good handwriting. Teacher Fabien Manois is exploring calligraphy with his year 6 pupils. Quels sont les instruments dont vous disposez? Il y a une espèce de pelle en forme de losange, là. Un stylo à plume. Using traditional calligraphy tools and techniques, the pupils are able to draw out the artistic nature of the written word. J'ai mélangé à l'écriture l'art plastique. J'ai fait une activité plastique pour aussi qu'on comprenne que écrire c'est un plaisir. Faire des lettres c'est aussi c'est agréable. Sur cette feuille blanche, pendant à peu près 5 à 10 minutes, je vais vous demander d'essayer de faire tous les traits possibles. Vous pouvez commencer. En art plastique, donc la matière art plastique, on doit faire de la calligraphie. C'est que l'élève doit être capable d'utiliser différents outils pour faire des tracés. Quel type de trait vous avez? Avec quel outil? Cet outil avec de l'encre et ça fait des traits un peu fins. Moi, j'ai utilisé deux outils, le stylo plume et la petite languette. Je vais vous demander de faire une lettre. Cette lettre, elle devra obligatoirement comporter des traits épais, des traits moyens et des traits fins. J'aime bien faire des activités d'écriture
parce que ça les prépare pour le collège. Quand on n'arrive pas à être lu, les professeurs au collège ne corrigent pas les copies, ne corrigent pas les devoirs, et souvent c'est sanctionné par une mauvaise note. Some of the children have drawn illuminated letters. Il manque quelques types de traits, mais par contre, elle a bien rajouté des spirales, et puis elle a un petit peu essayé de décorer. Pour ce qui est de la décoration de la lettre, elle n'a pas fait que des spirales. Maman, elle a mis moins de peinture que d'autres traits, et en fait, ça a fait beaucoup plus clair, et à des moments, elle a fait beaucoup plus foncé. Fabienne then gets the pupils to think about the lines and shapes that form stylized letters. Il est penché, enfin. Déjà, il est penché. Oui. La barre, normalement, nous, la barre du A, elle est moins haute que celle-là. Là, on dirait que là, on fait un L en billet et là, on rajoute un C. Alors, un petit peu, cette demi-boucle dont parlait Bastien, ça ressemble à un C qui serait... accroché à un L. Si on devait faire cette lettre, qu'est-ce qu'on utiliserait comme outil? Et je pense qu'on utiliserait plutôt la languette. Alors, la languette, tu l'utiliserais où, toi? Ben, là, surtout. Oui. The pupils compare the calligraphy with the style in which they were taught to write. Pour certaines lettres, on doit commencer sur des interlignes. Alors des fois, il y a des lettres, elles font trois interlignes, des fois deux. On part du milieu, on remonte, puis on descend. Après, on remonte, puis on descend, et puis là, on fait une sorte de boucle. Par exemple, on respecte bien que ça se croise à la ligne et non pas au-dessus ou en dessous. Très bien. Le graphisme, c'est tout ce qui vous aide à bien faire vos lettres. With these lines and shapes in mind, the pupils then work on a series of exercises to improve their day-to-day handwriting. La première boucle, on va commencer en bas, oui. Et la deuxième, on commence en haut. On va commencer en haut. Teaching and learning handwriting as a discrete technical discipline might seem utilitarian, but it's driven by a desire to properly equip children with the means to express themselves. Écrire, c'est communiquer, c'est être en relation par l'écrit avec les autres. In order to successfully teach communication through writing, disciplined practice must be couched within creativity, using children's experience of shape and movement to teach the finer strokes of penmanship. En France, on a essayé de travailler beaucoup dans les écoles cette notion de liberté. Il faut laisser une certaine liberté. Oui, mais cette liberté, ce n'est pas n'importe quoi. Parce que l'objectif de l'écriture, c'est bien de se faire comprendre de l'autre.